Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Quel sera notre futur? À cette question, nous avons tous une réponse bien personnelle. Celle-ci, construite à partir de notre environnement culturel, social, économique et naturel, dresse un futur à la carte pour chacun, où l'on y place notre désir d'une vie réussie et joyeuse. Et si aujourd'hui, cette définition n'était plus viable? Faute de ressources naturelles supplémentaires pour relancer la croissance, faute d'une course aux énergies de plus en plus féroce, quitte à détruire le peu de biodiversité qui nous reste, quitte à accélérer le réchauffement climatique et augmenter les inégalités dans le monde, jusqu'à l'effondrement. Pour en parler, Monsieur Green a le grand plaisir de recevoir sous la canopée Vincent Mignerot, chercheur indépendant et écrivain. Il est également le fondateur du comité Adrastia. Ses recherches sur la thématique de l'effondrement ont pour objet d'anticiper et de préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle. Mais il a également d'autres thèmes d'étude, comme la synesthésie, dont il nous parlera. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené dans vos recherches en sciences humaines à développer une théorie sur l'effondrement de notre civilisation ? Et ce qui m'a fait arriver à cette question-là, en fait, ce sont des questionnements d'adolescents aux alentours de 17-18 ans, ou même un peu auparavant. Je me questionnais tout simplement sur, comme beaucoup d'adolescents, sur le sens de la vie, hein, pour faire simple. Voilà, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est la nature de l'humanité, qu'est-ce qui fait qu'on est angoissé, qu'on est heureux, comment on s'inscrit dans la société, dans le monde. Enfin voilà, des questions de jeune homme, si vous voulez. Et j'ai peu à peu essayé de répondre à ces questionnements-là par moi-même. Hein. J'ai donc écrit ce qui me semblait être des réflexions, en tout cas moi, qui me faisaient avancer sur le plan personnel. Et en quelques années, mes réflexions spontanément posées sur le papier, comme ça, ont donné un objet qui est pour moi une théorie de l'évolution qui me permettait de répondre à ces questions-là. Qui existe encore, qui est encore aujourd'hui celle sur laquelle je m'appuie pour mener mes réflexions et poser de nouvelles hypothèses. Et dans cette théorie qui s'intitule encore aujourd'hui Essai sur la raison de tout, alors c'est un titre assez ambitieux, mais malgré tout c'est le cas, hein. Le modèle que je développe est une théorie de l'évolution étendue, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment les êtres vivants existent, mais en fait tous les objets de façon universelle. Et dans cette théorie que j'ai finalisé dans sa première version en 2004, j'arrivais à l'hypothèse ou à l'idée que dans sa nature propre, l'humanité en fait était une espèce qui, par surexploitation de l'environnement, des ressources et de son milieu, s'exposait à un risque non seulement d'effondrement généré par son propre comportement, mais aussi finalement à un risque d'auto-extinction qui finalement est un peu différent d'autres espèces dans le sens où elle serait. C'est ça ma conclusion, hein. L'espèce humaine serait celle qui déverrouille tout un tas de limites dans son environnement, de limites adaptatives, pour son bénéfice propre dans un premier temps, mais à terme, nécessairement, ces bénéfices qu'elle acquiert pour sa survie, pour son développement, finissent par lui être toxiques et génèrent sa propre défaillance adaptative. Donc c'est initialement des questions personnelles assez banales, finalement, qui m'ont fait développer une théorie, et dans cette théorie, j'en arrive à l'idée d'effondrement pour l'humanité. À quel moment dans son évolution l'homme a-t-il suivi un autre chemin que celui emprunté par le reste du vivant, et est-ce que son évolution physiologique, sa station debout, le développement de son cerveau en sont la cause? Alors c'est vraiment la question centrale à laquelle bien sûr personne n'a de réponse définitive. Moi je pose l'hypothèse que ce sont moins des capacités physiques, physiologiques ou cérébrales en tant que telles
qui nous ont fait diverger des autres espèces, qui nous ont fait nous différencier. Parce qu'en fait, ce que nous sommes, c'est très partagé hein, dans le vivant. La capacité à même à sourire, à rire, à avoir des émotions très complexes, très raffinées, la capacité à vivre en société, l'outil bien sûr, la mentalisation, la capacité à se projeter dans le temps, enfin tout ce qui a longtemps paru comme étant exclusif à l'humanité, en fait, est très partagé dans le vivant. Mais avec des capacités communes avec d'autres espèces, nous avons peut-être une capacité particulière qui est, de façon simple, celle de nous raconter des histoires. Sont un petit peu plus approfondies, non seulement on se raconte des histoires, mais surtout, et c'est là la grande différence, nous racontons des histoires qui se superposent à la réalité telle que nous la percevons. Et ça, pour moi, c'est la différence fondamentale qui nous a permis de vraiment optimiser au maximum l'exploitation de l'environnement, dans le sens où nous avons pu dépasser des limites à court terme, comme une surexploitation de ressources qui nous aurait bloqué notre démographie, qui aurait bloqué notre satisfaction alimentaire, etc. Nous avons été capables de ne pas tenir compte des dégâts et finalement de surexploiter toujours plus, parce que les dégâts ou les limites qui auraient dû nous contraindre, en fait, nous les avons dissimulés d'une façon ou d'une autre, nous nous sommes racontés des histoires par-dessus, nous avons de façon plus complexe corrompu le message de la perception, pour pouvoir, quand il y avait une limite, ne pas en tenir compte et élaborer de nouvelles histoires par-dessus cette limite pour franchir cette limite. Alors les histoires qu'on se raconte, elles sont bien sûr contenues dans nos mythologies, dans les mythes, dans les arts, voilà, dans toutes les représentations issues parfois de notre imagination, mais tout ce que nous projetons sur le monde, sur le plan raffiné des histoires élaborées. Mais corrompre le réel, c'est aussi être capable d'assembler des éléments ou des propriétés du réel de façon plus complexe que ce que la perception simple nous permet habituellement. Alors, je prends un exemple, hein. Lorsqu'un chimpanzé utilise, ou un macaque, ou une espèce qui maîtrise l'outil, ou une loutre hein, qui casse des coquillages avec un caillou, ces animaux utilisent une propriété du réel qui est la masse pour frapper. Et puis, il y a d'autres propriétés du réel, par exemple la rallonge, qui permet aux corneilles d'aller chercher des objets dans un trou, ou des proies, des fourmis, je ne sais pas, des larves qu'elles vont manger. Et elles utilisent une rallonge qui leur permet d'obtenir leur alimentation. Et en fait, nous, l'humanité, nous avons peut-être acquis cette capacité d'assembler des propriétés du réel différentes en un objet nouveau qui contient plusieurs propriétés assemblées et qui déploie, qui développe notre potentiel adaptatif. Et là, en l'occurrence, la masse plus la rallonge, ça fait un marteau. Et le marteau, ça décuple nos capacités de chasse, de transformation de l'alimentation, de débitage de proie, etc. Donc, voyez, c'est ça qui me paraît être le moment de distinction de l'espèce humaine des autres espèces. C'est le moment où on a pu assembler des propriétés du réel de façon inédite, qui nous a permis de créer des outils inédits et de nous raconter des histoires inédites. Pour moi, la différence, elle est là. On pourrait donc aujourd'hui dire, par exemple, que la technologie et ce même type d'histoire racontée, elle est souvent perçue comme celle qui peut nous sauver du réchauffement climatique. C'est tout à fait ça. Les récits, alors c'est très à la mode les récits en ce moment, mais Oui. je suis évidemment hyper vigilant sur ces récits parce qu'ils peuvent nous emmener vers le pire. Grâce aux récits, comme je vous l'ai dit, qu'on a pu dépasser des seuils qui normalement auraient contraint notre adaptation. Et évidemment, alors quand il y a des ressources disponibles derrière les récits, finalement les récits s'autoconfirment. Effectivement, quand on a un récit qui est fondé sur la croissance, un récit capitaliste par exemple ou libéral, ce récit-là est confirmé par le réel quand il y a du pétrole derrière. Donc, en ce sens, le récit est bien ce qui porte le développement de l'humanité. Mais bien sûr, le récit devient défaillant dès lors que la ressource, c'est-à-dire le réel, hein, dès que la ressource montre des limites, le récit, lui, devient défaillant et peut s'effondrer avec la population qui porte ce récit. Donc, voilà, il faut comprendre à quoi sert le récit, éventuellement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous avons faites par le passé. Alors, il semblerait qu'à travers ces récits, l'homme instaure des boucs émissaires, comme par exemple le capitalisme qui est très décrié pour les inégalités qu'il engendre, ainsi que la destruction de l'environnement. Donc l'homme serait donc toujours en recherche de croissance perpétuelle et souvent au détriment de son environnement naturel et social par les actions qu'il entreprend.
Alors, il a besoin de croître lorsqu'il est exposé à la croissance et qu'il n'a pas le choix, dans le sens où s'il ne croit pas au sens de croître, il risque de mourir. Donc, c'est la binarité de la sélection naturelle, hein. Si on arrête de croître à un moment donné où on a un concurrent sur les mêmes ressources qui, lui, ne veut pas s'arrêter de croître, eh bien, on risque de disparaître tout simplement. C'est le syndrome de la reine rouge. Par ailleurs, vous avez raison de soulever la question des boucs émissaires qui est tout à fait centrale, à mon sens, dans les récits qui ont accompagné la croissance, en tout cas. La quête, l'utilisation du bouc émissaire sert, évidemment pour moi, à dissimuler mieux encore l'exaction et à maintenir le sens de l'adaptation. C'est-à-dire que si on devait juste dénier la partie du réel qu'on ne veut pas voir, lorsque cette partie du réel ressurgit dans notre voilà, quotidien, par exemple, ou dans le débat, eh bien, il faut garder malgré tout ce réel loin, il faut le repousser, et en fait, la meilleure façon que l'humain a trouvée pour garder cette réalité contrariante loin d'elle, c'est de projeter ce qui le contraint, ce qui le contrarie sur un autre. Et vous avez raison d'illustrer cela avec le capitalisme. Moi, je suis convaincu que le capitalisme n'a pas du tout été une finalité, ni un projet en soi, mais plutôt un outil, exactement ce dont je parlais tout à l'heure, un moyen qui était adapté à un contexte particulier. Et si vous voulez, quand on attaque un moyen et qu'on n'attaque pas la cause, on ne résout rien. Et si effectivement le capitalisme n'est qu'un outil de développement plus puissant que les autres, mais qui sert la cause, qui est en l'occurrence ce qui a accompagné le capitalisme, c'est-à-dire une croissance démographique considérable et un enrichissement considérable de l'humanité. Si on attaque le capitalisme plutôt que la croissance physique, c'est-à-dire le nombre d'humains et la richesse de ces humains-là, on se trompe de cible et on ne résout ni le problème écologique, ni le problème des inégalités, ni aucun des problèmes auxquels se confronte l'humanité, et en particulier l'effondrement. Donc le bouc émissaire du capitalisme est tout à fait improductif et ne mène nulle part. Et je dirais même, c'est la suite de mon développement, si nous avons à ce point investi ce bouc émissaire-là en période de croissance, c'est à mon sens parce qu'il était très utile pour maintenir cette croissance possible en invisibilisant tous les problèmes. On a beaucoup, beaucoup combattu le capitalisme en parallèle d'une croissance incroyable. Et donc, il faut comprendre pour moi en quoi ce conflit orienté vers le capitalisme a pu servir à ne pas voir que nous étions dans le réel en train de détruire le réel. Alors que crise écologique, économique et sociale ne sont plus qu'à observer à travers le monde, on constate aujourd'hui une scission entre ceux qui continuent de croire au modèle de croissance actuel et ceux qui voient un ralentissement, une résilience comme une solution à ces crises. Comment alerter, modifier les comportements pour qu'un nouveau modèle respectueux des limites planétaires puisse émerger? Vous posez une question absolument centrale et elle est, je pense, largement, cette question, le fait même de poser cette question-là est largement indexé à notre façon d'investir notre rapport au réel en tant que ontologie. Alors, ontologie, c'est un mot compliqué pour dire notre façon de nous définir par rapport à notre milieu en particulier. Et dans notre ontologie, nous avons appris depuis plusieurs siècles à nous poser des questions qui sont de l'ordre. J'ai un problème, comment je peux mettre en œuvre ce qu'il y a dans ma tête pour résoudre ce problème? Or, ça, c'est quelque chose de très culturel qui considère que c'est une construction culturelle, à mon sens, presque cognitive, dans le sens où on n'arrive même plus à penser autrement. C'est une façon de voir le réel qui place l'humanité à l'extérieur d'un milieu. En l'occurrence, c'est là où se trouve notre problème écologique majeur, la fin du pétrole et le climat, plus la biodiversité. Et nous nous plaçons encore comme étant une espèce qui est dissocié de ce milieu-là et qui pourrait, par son choix volontaire, des stratégies particulières, résoudre ce problème-là. Et en fait, ce n'est pas la stratégie qu'ont utilisée les chasseurs-cueilleurs qui ont vécu de façon la plus stable pendant des dizaines de milliers d'années, littéralement, avec leur milieu. Eux ne se projetaient pas ou ne se définissaient pas par rapport à leur milieu en se disant: j'ai un cerveau et j'ai une volonté et je peux innover et résoudre un problème. Ils se disaient: quelle est la place que le milieu me permet d'avoir? Donc, ils questionnaient d'abord leur milieu et ensuite, ils ne mettaient en œuvre dans leur adaptation que ce que leur permettait leur milieu. Et en l'occurrence, s'ils ont pu rester adaptés à des environnements sans trop les impacter, même si c'était jamais un impact neutre, c'est parce qu'ils contrôlaient d'une façon ou d'une autre
leur emprise en termes démographiques ou en termes techniques. Alors bien sûr, ils se sont développés et ils sont devenus les humains civilisés que nous sommes. Nous venons tous de chasseurs-cueilleurs. Mais malgré tout, ceux qui ont pu avoir des emprises très régulées avec leur environnement ont pratiqué, c'est là où je veux en venir, ce qui relève du sacrifice, ou en tout cas de l'empêchement, de la contrainte et de la, comment dire, de la prise sur soi, plutôt que de continuer sur le modèle de je suis, j'existe, je veux D'expansion, imposer ce que ouais. je suis à mon milieu. Et en fait, c'est un renversement total de vision sur le monde, qui est d'ailleurs pas celui qu'on entend encore dans l'écologie aujourd'hui. Ce que nous devons intégrer dans nos sociétés, c'est questionner le milieu pour savoir ce qu'il nous permet de faire et réduire notre adaptation à ce que le milieu nous permet. Et là, nous allons devoir nous confronter à une pénurie de ressources et à un climat changeant. La capacité de charge de la planète va se réduire. Nous devons donc établir des stratégies qui fassent faire des choix très difficiles aux sociétés, des arbitrages très difficiles aux sociétés pour savoir là où des coupes franches doivent être faites sur les niveaux de vie, sur les revenus, vous l'avez dit, éventuellement plus tard sur la démographie. Alors, c'est un mot très lourd, mais il faut commencer à intégrer que la régulation démographique va se faire de toute façon au cours de ce siècle, à mon sens. Et il faut commencer à intégrer ça dans notre réflexion, parce que si nous continuons à nous dire, nous sommes capables, nous sommes souverains devant les forces de la nature et nous pouvons encore imposer nos choix au milieu, nous allons nous tromper. Ça, c'est le développement durable, c'est l'écologie version transition énergétique. Ça ne marchera pas. Nous devons réduire la voilure progressivement en rognant sur tout ce qui dépasse et qui est toxique, par exemple une trop grande complexité technologique, c'est à terme contre-productif, même si on veut rester adapté dans la rivalité économique. Donc il faut apprendre, et je reconnais volontiers que ce sera difficile pour moi aussi, à faire des sacrifices et des sacrifices intelligents, stratégiques. J'ai comme l'impression que l'effondrement précédera la prise de conscience globale du changement nécessaire. L'anticipation paraît être impossible et cela laisse supposer dans le temps une mise en place de politiques de restriction, de manière abrupte et drastique. Je vous suis très bien. On a parlé de notre culture occidentale fondée sur une ontologie naturaliste qui sépare le milieu, l'environnement de l'humanité. Et parmi les illusions structurelles de nos cultures, il y en a une qui domine, évidemment, c'est celle de la liberté. Et cette illusion de la liberté, elle pour exister, elle est fondée sur deux dénis ou un déni qui a deux formes. Le déni du cadre, qui est celui de la compétition. Et ce cadre-là, en fait, personne ne peut en sortir. Aucun être vivant ne peut sortir du cadre de la compétition, hein. La compétition, c'est très simple. C'est si on est adapté, on vit. Si on n'est pas adapté, on meurt. Et dans ce cadre de la compétition, des stratégies sont adoptées par le vivant, qui sont des stratégies de coopération, bien sûr, et des stratégies de rivalité. Parce que, bien sûr, il faut défendre ses intérêts, qu'on soit une bactérie, un dinosaure, un éléphant, peu importe. Il faut défendre son territoire, son accès aux ressources, sinon, bien sûr, le cadre de la compétition nous fait mourir. Et là, vous soulignez le point que l'avenir est peut-être verrouillé jusqu'à un seuil que nous allons dépasser, mais probablement que nous aurons du mal à anticiper quoi que ce soit avant ce seuil, tout simplement parce que la rivalité nous empêche toute anticipation. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut réintégrer dans notre culture de la liberté, que la liberté, c'est pas un truc qui existe vraiment dans le réel, c'est une construction culturelle hors sol. Dans la réalité, la liberté, ça n'existe pas. Il y a toujours des contraintes extérieures, en particulier celle de la rivalité. Et je suis très vigilant aux nouveaux récits qui omettent encore et toujours la rivalité, comme la culture occidentale l'a fait de façon stratégique, à mon sens, mais inconsciente, depuis plusieurs siècles. Or, cette rivalité, elle fait que le premier pays qui s'exposerait à réduire la voilure avant son voisin, bien sûr, Sera en aurait une danger. emprise moins grande sur ses propres ressources, ce qui générerait une déstabilisation à l'intérieur de son pays. Et on voit ce qui se passe en France pour un tout petit chaos énergétique avec les gilets jaunes. Le premier pays qui s'exposerait à réduire son empreinte volontaire sur les ressources qui permet la génération du PIB, évidemment, il perd des parts de marché, il perd de l'emprise stratégique, par exemple militaire, ou sur ses anciennes colonies, ou sur les ressources pétrolières qui circulent dans le monde.
Et les premiers qui vont en souffrir, évidemment, c'est les peuples. Évidemment, les élites, c'est pas dans leur intérêt non plus, mais il faut bien comprendre que les sociétés sont des systèmes complexes et intégrés. Il n'y a pas de... Bien sûr, on est en conflit avec les élites parce que les inégalités sont trop grandes, mais les élites et les peuples travaillent ensemble, factuellement, dans l'économie. Et ne pas voir que c'est la rivalité, je parlais de la Reine Rouge tout à l'heure, ce grand mouvement vers cette grande accélération contrainte par la compétition, on ne peut pas y échapper. Cette Reine Rouge qui nous emmène vers le pire est aussi ce qui nous empêche de prendre des décisions que nous aurions dû prendre d'ailleurs dans les années 70-80, par exemple, pour éviter la destruction, bon, pas la destruction, mais le chaos climatique auquel nous allons nous exposer. Donc, je vous rejoins, mais cette question de savoir si on peut anticiper ou pas, en fait, on a déjà des semblants de réponse, des pistes de réponse, si on réintègre ce que nous avons tout simplement occulté dans notre culture. Et en fait, Darwin en parlait déjà. Darwin était absolument navré de rappeler, en fait, que dans le cadre de la compétition, ben oui, on peut être coopératif et ça se passe très bien, mais aussi, il y a de la rivalité tout le temps. Et si on oublie la rivalité, en fait, on meurt encore plus vite. Donc la sécurité n'est donc pas à négliger dans un cas d'effondrement. Malheureusement, nous en avons des exemples sous les yeux de Oui, tous nature les jours. différente, hein. Les effondrements, les causes des effondrements ne sont jamais possibles. Ce n'est jamais possible d'identifier clairement la cause d'un effondrement. Il peut y avoir une seule cause ou plusieurs causes, et dans tous les cas, on ne sait jamais vraiment ce qui a été le déclencheur. Mais on a, par exemple, des déstabilisations économiques et sur la productivité céréalière qui ont impacté toute l'Afrique du Nord au début des années 2010, qui ont généré des effondrements locaux ou partiels et des déstabilisations d'État qui font que maintenant ces pays sont très en peine pour maintenir certains services essentiels à la population. Donc là, on a des causes qui sont d'ordre pétrolière sur le sol et céréalière parce que le prix de l'alimentation a coûté cher au début des années 2010 suite à plusieurs années de sécheresse. Et vous voyez que là, une déstabilisation intérieure a fait reculer ces pays sur la sphère internationale, commerciale, économique, etc. Et vous avez d'autres types de contraintes qui peuvent arriver de l'extérieur, comme celle d'une importante ressource. Alors là, je m'avance un peu parce que ce sont les historiens qui reviendront en arrière un peu plus tard sur cette histoire-là, mais vous avez le Venezuela qui bénéficie d'une très importante ressource pétrolière, même si c'est un pétrole de mauvaise qualité, il y a beaucoup de pétrole en volume, et vous avez potentiellement une stratégie rivale, littéralement, de l'extérieur, de déstabilisation du pouvoir politique, via des systèmes de sanctions sur plusieurs années, enfin une fragilisation du système économique de l'extérieur, sans dire que le système politique à l'intérieur était parfait non plus, hein. Bien, je ne dis pas ça. Mais vous voyez bien que si on omet, si on oublie ce qui se passe entre le territoire qu'on souhaite défendre et l'extérieur, évidemment, on s'expose à des fragilisations intérieures et potentiellement irrécupérables. Alors dites-moi, Vincent, comment pouvoir envisager un avenir positif lorsqu'un tel futur est annoncé? En fait, je pense que nous abordons l'avenir avec notre grille de lecture du passé et que ça nous joue des tours et on a tendance à surinvestir. Cette ontologie comment dire, de la prééminence, de la satisfaction immédiate avant la mise en œuvre du travail concret. Ça me gêne beaucoup. Je suis assez craintif de l'idée. En fait, non, je suis craintif du récit que nous nous faisons, que nous serons obligés de passer par des récits pour nous adapter. Et ça m'embête parce que je crois au contraire que moins nous nous raconterons d'histoires sur ce qui se passe réellement, plus nous serons capables de défendre nos intérêts et les intérêts de notre milieu. Et ça, c'est se projeter vers une ontologie que je dirais réaliste, une forme de cinquième ontologie après les ontologies de Philippe Descola. Une ontologie réaliste, ça n'est pas du tout antinomique avec le courage nécessaire pour remettre la main à la pâte, faire... des formations en nouvelles méthodes agricoles et convertir son mode de vie vers des modèles plus résilients, etc. Mais il y a besoin, à mon sens, dans une période de déclin des ressources et de déclin des approvisionnements, non pas de se raconter une nouvelle utopie, qui, à mon sens, peut être tout à fait toxique, mais au contraire, de s'ancrer dans une forme de réalité, parce que là, les valeurs que nous allons devoir convoquer, c'est pas la joie. Parce que la joie, c'est à mon sens quelque chose de très lié au modèle capitaliste. En fait, c'est le marketing du bonheur rejoué dans la problématique de l'effondrement.
Moi, je ne suis pas du tout de cette éducation de l'enfant roi qui décide de ne faire ses devoirs qu'après avoir fini de jouer. Je suis plutôt de cette éducation où on fait ses devoirs, on fait son travail et après, éventuellement, on a de la joie. Donc, je pense qu'il faut s'ancrer dans la réalité et puis mettre la main à la pâte. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un, j'ai traversé des périodes de ma vie où j'étais dans le concret. Je suis plutôt dans la théorie, la réflexion, la pensée aujourd'hui, mais malgré tout, c'est de la matière que je produis qui permettra, sans peut-être, je l'espère, de devenir politisable en tant que elle organisera notre société, peut-être, je l'espère. Mais en tout cas, quoi que je dise et quoi que je pense pour l'avenir, je pense que la réalité est la meilleure chose que nous devons, la seule chose que nous devons investir pour trouver en nous le courage de nous y confronter dans un objectif de minimiser, et là je rejoins ce qui est écrit dans le manifeste de Gracia et dans sa déontologie, l'objectif est bien de minimiser la peine, la souffrance, la destruction autant que possible. Et ça demande de ne pas être dans l'utopie. L'utopie, c'est ce qui sert les humains dans la croissance. C'est ce qui sert à dépasser les ressources. C'est ce qui sert à dépasser les limites. Nous serons d'autant plus cohérents et capables d'être solidaires que nous ne nous raconterons plus d'histoires farfelues sur notre avenir et que donc nous réintégrerons en particulier les contraintes de la rivalité, les contraintes des limites des ressources évidemment, mais surtout celles que nous ne sommes pas tout seuls sur la planète et que les premiers à qui nous devons demander ce que nous pouvons faire, ce sont les milieux naturels, les contraintes des ressources et pas notre cerveau ou notre volonté ou notre désir. Voilà. Retrouver le sens de la causalité des choses. Vous êtes également président et fondateur du comité Adrastia, signifiant en grec auquel on ne peut échapper. Pouvez-vous en dire un peu plus sur l'objet de cette association? Oui, si vous voulez. Alors, Adrastia, elle est issue d'un groupe Facebook qui s'appelle Transition 2030, qui a été fondé, que j'ai fondé avec Joël Lecomte en 2013. Et ce groupe Facebook, moi, je souhaitais faire sortir le débat d'un seul groupe Facebook pour le rendre accessible au grand public via une entité institutionnalisée, ou en tout cas une entité qui soit reconnue administrativement. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Adrastia. Et voilà, son objectif, enfin, l'objectif principal de l'association, c'est de trouver, produire et partager l'information sur le risque d'effondrement. Et en soi, c'est déjà beaucoup. Alors même si énormément de chemin a été fait sur ce sujet, sur la connaissance même du risque depuis quelques années et très rapidement depuis un an, on est encore loin d'avoir, vous avez vu passer aujourd'hui que plus de presque 40% des jeunes sont encore climato-sceptiques. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc la mission première d'Adrastia est encore d'actualité. Adrastia ensuite promeut la mise en relation des individus, des personnes, afin de pouvoir partager ses émotions, son vécu, son expérience sur le sujet, peut-être sa mutation, son changement de vie, ses choix personnels qu'on a fait. Donc Adrastia est aussi un réseau, je crois, de près de 400 membres aujourd'hui, avec des groupes locaux qui permettent la discussion. On organise des événements, on fait beaucoup de conférences. Et Adrastia promeut ou fera la promotion des initiatives concrètes. Mais c'est un second temps du développement de l'association, dans le sens où aujourd'hui, personne ne sait, et c'est toute la difficulté en particulier de la politisation de la collapsologie, personne ne sait comment construire un discours politique au cours de l'effondrement, ou en anticipation de l'effondrement. Et ça, c'est le gros point d'interrogation. Adrastia a été vigilante à ça dès sa fondation. Être prescripteur de quelque chose dont la forme est absolument, être prescripteur, pardon, sur ce qu'il faudrait faire dans un avenir dont la forme est par nature imprévisible, c'est quelque chose qui nous paraissait présomptueux, donc on n'a pas souhaité intégrer des mouvements politiques qui ont tendance à projeter des imaginaires et des fantasmes sur un avenir qu'ils ne peuvent pas prédire, et jusqu'à présent, l'écologie s'est toujours trompée dans ses prescriptions, et en tout cas n'a été sanctionnée par aucune efficacité. On n'a jamais autant détruit l'environnement que depuis que l'écologie existe, hein, pour faire simple. Donc nous avons souhaité être prudents sur le côté prescriptif, et nous sommes toujours, toujours, toujours dans la médiation, la communication, l'information et la réflexion, bien sûr, pour savoir, pour trouver la meilleure voie d'adaptation possible pour demain. Alors Vincent, qu'est-ce qui vous permet dans cette perspective d'effondrement de vous lever tous les matins? C'est une très bonne question. Oui, alors la sérénité est certainement plus visible de l'extérieur qu'elle ne l'est à l'intérieur. J'ai quand même des nuits assez mouvementées.
Et par ailleurs, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un certain recul et d'être assez posé, c'est que ça fait quand même longtemps que je traite, longtemps par rapport à ma vie personnelle, hein, que je traite ce sujet-là. Je me suis construit avec, hein. Je suis un adolescent qui a fait sa construction de jeune adulte avec cette perspective-là et des échelles de cette perspective-là qui étaient de l'ordre de l'humanité entière très vite. Donc le risque d'effondrement et les effets d'un effondrement, c'est quelque chose que j'ai intégré émotionnellement en même temps que je me construisais en tant qu'adulte. Donc les émotions, je les ai traversées. Je me suis construit avec, donc elles sont toujours présentes évidemment, mais elles sont peut-être plus tempérées que pour quelqu'un qui découvre le sujet plus tardivement dans sa vie. Ce qui me fait me lever le matin et qui me rassure considérablement sur le plan émotionnel, c'est de m'entourer de personnes qui tiennent un discours rationnel. Et pour moi, il est extrêmement rassérénant, réconfortant de regarder le monde, l'avenir, tel qu'il est le plus probable qu'il se déroule, afin que je puisse, moi, justement, émotionnellement, me préparer à ce qui est le plus probable. Je suis, comme je le disais, extrêmement craintif des utopies et des récits ou des promesses, particulièrement des promesses qu'on peut faire et qui ne sont pas tenables. Parce que faire une promesse à quelqu'un et une promesse qu'on ne pourrait pas tenir, c'est mettre cette personne-là en suspens d'un vertige et d'un effondrement encore plus haut que si on lui dit la vérité. Et je fonctionne comme ça pour moi. Je préfère avancer avec des émotions peut-être un peu plus torturées et plus difficiles à gérer, mais dans un avenir qui ne me surprendra pas ou qui me surprendra moins que si je devais me raconter une histoire qui ne tient pas debout. Et donc c'est ça qui me lève le matin, produire du contenu, de la réflexion, des hypothèses qui me permettent d'être entouré de personnes qui ont la même ambition que moi, c'est de se confronter à la réalité, de tomber le moins haut possible. Et en même temps, c'est à mon sens le meilleur chemin pour aider son prochain. C'est-à-dire que raconter n'importe quoi à son prochain, lui faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, c'est toxique. Ça marche quand on a du pétrole derrière et des ressources à foison pour se développer, parce que là, effectivement, on peut satisfaire son prochain. Mais quand on n'a plus ça, eh ben, c'est contre-productif, même si on veut justement anticiper correctement l'effondrement. Surtout si on veut anticiper correctement l'effondrement. Voilà, c'est ça qui me fait me lever le matin. Je vais le dire de façon plus précise encore, c'est cheminer vers le vrai. Voilà, pour le résumer. Cheminer vers la vérité. On ne l'atteindra peut-être jamais, la vérité. L'humanité n'aura peut-être jamais accès à la vérité. Mais au moins essayer d'avancer vers elle. Vous effectuez également un travail sur un autre sujet de recherche qui est la synesthésie. Donc un thème qui vous tient à cœur puisque vous êtes vous-même synesthète. De quoi s'agit-il et qu'engendre-t-elle au niveau de la perception? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question. C'est en effet un autre pan de mon travail qui n'est pas directement relié à l'écologie, en tout cas publiquement, mais qui pour moi l'est. Vous avez raison, il n'y a pas de dissociation entre ma réflexion, ma pensée, mon travail sur la synesthésie. Voilà, la synesthésie, c'est donc cette condition neurologique qui accompagne la vie d'à peu près 4% de la population, mais bon, sans doute la totalité de la population en arrière-plan en tout cas. Le fait que pour certaines personnes, donc 4% de la population, de façon consciente, des croisements de sens se révèlent, se manifestent, comme le fait de, par exemple, de voir les lettres en couleur, les chiffres en couleur, ou de percevoir la musique en forme, en texture, en architecture d'objets qui circulent dans l'espace, ou le fait de toucher une surface, donc avoir une sensation tactile qui déclenche un goût sur la langue. Voilà. Toucher du velours peut donner le goût de fraise à certaines personnes. Donc la synesthésie est une condition neurologique absolument non pathologique, hein, qui accompagne voilà, à peu près 4% de la population, de façon consciente en tout cas. Et la question que j'explore dans mes travaux, en particulier via une hypothèse qui a été publiée sous forme d'article dans un ouvrage collectif publié au CNRS en 2014 ou 2015, l'hypothèse que j'essaye de développer, c'est effectivement de comprendre en quoi la synesthésie, lorsqu'elle accompagne un processus créatif, hein, qui n'est pas du tout systématique, pourrait être une forme de préstructuration de la pensée avant la pensée. Comme si tout était un peu préécrit, comme ces personnes qui répondent à des calculs complexes de manière instantanée, vous-même parlez d'une architecture qui se structure et relie vos idées. Alors voilà, vous illustrez effectivement l'hypothèse que je pose. Il est possible, mais ça pourra être vérifié et éventuellement invalidé, il est possible que la synesthésie, en tant qu'elle montre une préstructure de la connaissance, mais fondée sur la perception, hein, c'est-à-dire que les éléments
qu'un calculateur prodige, par exemple, vous citez Daniel Tammet là. Daniel Tammet est capable de faire des calculs mentaux extrêmement rapides, plus rapides qu'on ne l'est après à la calculatrice. Et lui-même dit qu'en fait, il ne voit pas des chiffres dans sa tête et il ne pose pas d'opérations. Ce sont des formes et des couleurs qui s'affichent en lui, en fait, spontanément. Alors, il n'y a rien de magique, hein. Ce sont des processus cognitifs, voilà, c'est des circulations d'informations entre des neurones qui font ça. C'est aussi une construction, hein. La synesthésie n'apparaît pas comme ça chez quelqu'un sous prétexte qu'il aurait le patrimoine génétique parfait pour avoir de la synesthésie. C'est aussi une construction, une forme de stratégie que le cerveau met en place. L'idée est que ce type de stratégie cognitive, lorsqu'elle est fondée sur des associations de sens, comme pour Daniel Tammet, voir les chiffres en couleur, permettrait parfois, chez certains, effectivement, d'associer ou de combiner plus rapidement des informations et donnerait des résultats plus rapides. Alors, chez Daniel Tammet, c'est absolument bluffant, parce qu'effectivement, il trouve des résultats d'opérations de multiplication à quatre chiffres instantanément. Pour d'autres créateurs, c'est peut-être un peu plus subtil et complexe. Et je témoigne effectivement chez moi du fait que lorsque j'assemble des idées, il y en a aussi une manifestation sous forme d'architecture, de forme et de couleur et de texture. Je ne peux évidemment pas dire c'est pour ça que je réfléchis bien ou mal, peu importe, mais c'est pour ça que je trouve des hypothèses ou que j'avance dans. Je ne peux pas dire que c'est une preuve que, mais en tout cas c'est une hypothèse de recherche. L'eurysthésie dont on parle là, qui est le concept que je défends, en soi, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que lorsque Daniel Tammet fait des calculs, il faut aller vérifier le résultat de ses calculs. Donc, ce n'est absolument pas un chemin vers la vérité en soi. C'est peut-être un chemin ou quelque chose qui permet de cheminer vers la vérité, mais il faut absolument toujours que celle-ci soit confirmée par la Démontrer, oui. vérification d'un tiers. Voilà, ça c'est absolument fondamental. Il n'y a aucune magie dans le processus, d'une part, et le processus n'est pas en soi quelque chose qui fait avancer vers la vérité. Il faut pouvoir ensuite confirmer que les hypothèses ou que les résultats proposés sont valides pour d'autres. Lorsqu'on observe votre travail, on distingue une transversalité des disciplines. Quelles sont vos explorations? Avez-vous déjà abordé une vision quantique, par exemple, de vos recherches? Alors, je me permets pas d'aller dans le quantique parce que je ne suis pas physicien, donc je n'ai pas les compétences pour faire ça. Mais en tout cas, alors je peux vous rejoindre sur le fait que, en tant que tel, la synesthésie est un empêchement au cloisonnement. C'est-à-dire que quand on a spontanément des perceptions qui combinent les informations, on a plus de mal, je crois, à se limiter à un champ de recherche particulier et à ne pas aller voir un petit peu à l'extérieur de ce champ de recherche ce qui s'y passe. Et qui peut compléter le champ de recherche initial. Donc effectivement, moi je n'ai pas de borne au préalable qui viendrait empêcher mon exploration d'hypothèses. Mon travail va de l'anthropologie à la physique, effectivement, puisqu'on parle d'énergie, en passant par la morale, en passant par la philosophie un peu, même si je n'ai pas tant de lecture que ça à mon actif. Mais en tout cas, il y a un lien, si c'est cela que vous voulez souligner, il y a un lien peut-être entre la synesthésie en soi et la difficulté à se cantonner à la pensée en silo. Après, j'ai bien conscience aussi qu'il est incontournable de se spécialiser dans un domaine quand on veut l'explorer à fond. Donc il y a des avantages à la pensée en silo, parce que sans ça, on ne peut pas avoir une grille de lecture suffisamment fine. Et il y a d'autres avantages à la pensée transdisciplinaire, et il faut les deux en fait. Il faut pouvoir zoomer et dézoomer sur la réalité qu'on observe pour essayer d'en avoir une interprétation cohérente. Très bien Vincent, merci beaucoup pour cet entretien sur vos travaux de recherche. Très bien, mais écoutez, c'est moi qui vous remercie infiniment. Puis vos questions étaient très intéressantes pour moi parce que vous avez effectivement fait le tour du champ de mon activité. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver Vincent Mignerot sur ses pages Facebook, Twitter et YouTube, ainsi que sur le site d'Adrastia. Retrouvez également l'intégralité de cette émission sur la chaîne YouTube de Monsieur Green. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super green! Aussi green que ça peut être! Green, la puissance des green, 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 tu vois? Mais tu vois, green, green, absolument! Green, green, green!